Mais c'est quoi le problème, chérie? C'est les divisions, je comprends rien. Eh ben, on va regarder ça ensemble, c'est pas compliqué. Regarde. On prend 4 bonbons, par exemple. On divise en 2. Hop, hop. Combien il y en a pour toi? Combien il y en a pour maman? Bah, 0, parce que si je partage avec maman, j'en aurai pas. C'est pas faux. On va faire ça avec des serpillères. Papa, tu peux me déposer samedi? Ouais, où ça? Chez le tatoueur. Non, arrête avec ça, Laetitia, je te promets, cette lubie, je n'en Attends, peux je, plus. Attends, je gère. Et on en a parlé 1000 fois, c'est hors de question, tu ne te feras pas tatouer. C'est clair, ça, ou pas? Il faut l'autorisation des parents, donc c'est non. Mais papa, je vais me faire tatouer ta date de naissance en chiffre romain. Bon, c'est peut-être pas stupide, là, mais bon. Bah oui, comme ça, je te retiens auprès de moi, tu vois. C'est quand? Samedi à 16h. C'est quoi la date que tu vas mettre? Bah, la date de naissance de papa. Elle vient de le dire. Oui, non, mais c'est quoi la date à laquelle tu tiens tant? Bah, c'est le 10? Le 12? Le 9? Oh là là, bien tenté, joue encore, au revoir! Tu connais même pas ma date de naissance? Bah, si, c'est le 28. Oh, je suis simple, hein. Oh. Le 30? Arrête! Docteur Stone, vous ne trouvez pas que d'ici la vue est magnifique? C'est superbe, Kowalski. C'est superbe et troublant. Vous savez ce qui est troublant pour moi? Non. C'est d'imaginer ce que vous portez sur votre scaphandre. Mais vous savez bien, Kowalski, que je ne porte rien. Oh. T'as raison. Kowalski. Docteur Stone. Aïe, ça me fait super mal. Arrête. Faut me couper le visage, attends. Pas de tatouage, c'est clair. En plus, il faut l'autorisation des parents. Ok? Bap, si, boum. L'engueulade de merde. Pas de tatouage, c'est clair? Non, c'est pas possible.